Que Dieu vous accompagne. J'ai des objets dérobés qui peuvent avoir de la valeur aux yeux des gens. D'accord. Voyons ce que je peux faire. Bonne chance alors. J'ai des objets dérobés qui peuvent avoir de la valeur aux yeux des gens. D'accord. Voyons ce que je peux faire. Dieu vous accompagne. Thank you.
Que Dieu vous protège. Que puis-je pour vous ? Prenez soin. Au revoir. Puisse Dieu veiller sur vous, re-chevalier, surtout en cette époque sombre. Puis-je faire quelque chose pour vous ? J'ai une commande à passer. Et qu'est-ce qu'il vous faut ? Ah, je suis blessé, il me faut un médecin. Ensuite, j'aimerais prendre un bain chaud et laver mes vêtements. C'est faisable, mais vous allez devoir d'abord verser l'argent. D'accord, tenez. Je pense que vous allez être comblé. Portez-vous bien. Thank you.
bien le bonjour, Henri. Comment tu te portes? Oh, mieux. Un peu mieux déjà. Il y a moins de blessés qu'avant, certains se portent mieux, mais de plus en plus de gens ont besoin de soins. L'un reçoit un coup de sabot, un autre fait une intoxication alimentaire, un autre encore n'arrive pas à dormir ou a de la fièvre. Les gens ont tous un problème, et j'ai l'impression d'être la seule personne au monde à pouvoir leur venir en aide. Et Mathias, c'est lui qui m'inquiète le plus. Frère Nicodème m'a aidé à l'amener ici après ce qui est arrivé à Méroïed, mais il est encore alité par la fièvre, et rien ne semble le soulager. Je suis navré de l'apprendre. Pour être franc, tu as l'air exténué. À qui le dis-tu? Je suis tout le temps debout, et lorsque j'ai l'occasion de me reposer, je dors mal. Je ne cesse de faire de curieux rêves, ou de me réveiller. Je me réveille le matin, en ayant l'impression de ne pas avoir dormi du tout. Je t'ai apporté quelque chose. C'est gentil, papa. Qu'est-ce que c'est? J'avais quelques pièces en plus et je me suis dit que vous pourriez en avoir besoin. Absolument. Ça nous serait d'une grande aide. J'aimerais te donner 360 groschènes. Merci, Henri. Tu es un ange. Je t'ai apporté quelque chose. C'est gentil, papa. Qu'est-ce que c'est? J'ai plus de viande que je ne pourrais en manger. Je me suis dit que vous pourriez en avoir besoin. Nous n'irons pas bien, moi, avec ça. Qu'arrive-t-il à Mathias? Comme je l'ai dit, sa blessure ne guérit pas et sa fièvre refuse de retomber. Frère Nicodème et moi sommes désemparés. Nous avons tout essayé. Je prie Notre-Dame chaque soir pour qu'elle le guérisse. Si seulement son état s'améliorait. Oh, pauvre Mathias, après tout ce qu'il a enduré. Je prierai pour lui aussi. Tu sais, je pourrais obtenir une potion pour t'apaiser et t'aider à dormir. Merci, mais c'est inutile. Frère Nicodème a déjà essayé et ça n'a pas marché. Oh, je vois. Comment ça, de curieux rêves? C'est toujours le même rêve. Encore, encore. Et dedans? La Vierge Marie apparaît. La Sainte Vierge? Vraiment? Vraiment. Elle ressemble trait pour trait au tableau sur l'autel de l'église de Sassy. Je rêve toujours que je suis revenue à Scalis comme avant. Avant tout ça. Je comprends. Je suis au pied de la colline, dos au château, près du sentier qui mène au cuve de nettoyage des minerais, non loin des bois. Mon oncle y travaillait. Je lui apporte de quoi manger et je me dirige vers l'étang. Et tout à coup, tout devient noir. Je me retrouve au sommet de la colline, le long des chemins de pierre jusqu'à l'entrée d'une énorme grotte. Je pénètre à l'intérieur, encerclée par la pénombre, et je continue. Et là, assis dans le noir, je vois... Qui? Tu vois qui? Le diable. Il me jette un regard noir, de ses yeux horribles. Puis tout est englouti par les flammes, et j'essaie de m'échapper. Je traverse la grotte en courant, mais je ne trouve pas la sortie. J'entends le rire monstrueux du diable dans mon dos. Je n'ai plus la force de courir, je m'arrête. Les flammes me rattrapent et puis je meurs. Là, je me réveille, sentant encore la chaleur des flammes. Et je n'arrive plus à me rendormir. Je ne peux que m'agenouiller au pied de mon lit et prier jusqu'au matin. Tu as parlé de la Vierge Marie? Oui. Elle est toujours présente jusqu'à ce qu'il fasse noir. Elle m'accompagne jusque devant la grotte, mais n'y entre pas. Et tu fais le même rêve toutes les nuits? Nuit après nuit. Ça a commencé il y a quelque temps et ça n'en finit pas. Tu en as parlé à quelqu'un? Non, à personne à part toi. J'avais peur que les gens me prennent pour une folle. Ah.
Eh bien, c'est vrai que ça paraît un peu fou. Je sais, c'est ce que je me dis aussi parfois. Mais quand j'en rêve encore, je me dis que ça doit signifier quelque chose. Tu as raison. Ce n'est pas un rêve ordinaire dont tu me parles. Exactement. Je suis contente que tu ne me prennes pas pour une folle. Je me disais, tu sais, que je pourrais peut-être aller là-bas, mais... Pour te dire, j'ai peur. Et de toute façon, je ne peux pas partir d'ici. Alors je me demandais, puisque tu es là, si tu pouvais aller y jeter un œil pour moi. Tu sais te débrouiller seule. Après tout, tu es déjà allé au combat. D'accord. Si ça peut t'aider à retrouver un sommeil paisible. Je vais aller là-bas, mais que veux-tu que je fasse exactement? Je ne sais pas trop. Va voir si tu découvres quelque chose de bizarre et reviens me le dire. Bien sûr. Prends soin de toi. J'espère que les choses vont s'arranger. Pour toi, pour Mathias et tout le reste. Merci, Henri. Hein? Où ça? Il se passe quoi? J'ai les bandages. Formidable. Vous pouvez prévenir frère Nicodème? Je peux le faire seul. Vous n'étiez pas forgeron? Il fut un temps. Malheureusement, je me suis vu obligé d'apprendre l'art de la médecine depuis. Bon. Allez-y. Que Dieu vous accompagne.
Yeah. Château derrière moi, la passerelle vers les bassins. On dirait bien l'endroit décrit par Jeanne. Qu'a-t-elle dit déjà ? Que je devais aller jusqu'aux canalisations.
Le bassin du milieu. Jeanne a mentionné un cours d'eau rocailleux. Il y avait un ruisseau qui alimentait ces bassins. Il ne doit pas être loin. Bon sang, le malheureux. Il devait vouloir donner l'alerte suite à l'attaque de Scalis, mais ces salopards l'ont eu. Est-ce le bon endroit? C'était censé être une grande grotte. Enfin, elle est peut-être plus large à l'intérieur. Bon Dieu, ça pue ici! Oh merde! Seigneur, ce n'était qu'un enfant. Bon sang, comment sont-ils arrivés ici? Une galerie. On dirait qu'il était bien nanti, à en juger par ce qu'il reste de lui en tout cas. C'était peut-être un marchand qui a pris un raccourci pour éviter de payer les douanes. À en juger par le caftan, on dirait un couman. Juste retour des choses. Du sang, et pas qu'un peu.
Ça fait un moment qu'il est là. Il y a quelque chose de louche ici. On dirait que le sang mène à cette cabane. On dirait que quelqu'un vit ici. C'est vraiment très louche. Tous ces cadavres en bas. Au nom du ciel, que fais-tu ici? Je me suis caché ici pendant l'attaque de Scalis. Maintenant, je monte la garde jusqu'au retour de sa seigneurie. Oh, tu appartiens à la garnison d'Escalis? Oui. T'es aveugle ou sourd? Tu pensais qu'il y avait personne ici et que tu pouvais venir tout piller, pas vrai? Eh bien, tu t'es trompé, espèce de sale voleur, et tu vas devoir répondre à mon épée. Une minute. Je suis de Scalis, et je connais tous les gardes. Je ne t'ai jamais vu. Alors, t'es pas de Scalis. Sinon, je me souviendrai de ton visage. Oh. Alors dis-moi, comment s'appelle la fille du meunier? Judith. C'est Thérèse, espèce de menteur. C'est bon, tu m'as eu. Je voulais juste me cacher. Je pensais que personne ne viendrait me chercher ici, après ce qui s'est passé. Alors, qui t'a envoyé ici? Jocelyn de Rocky Canny? Parce que j'ai tué son fils? Non. Hermann de Gilava? Il m'en veut depuis que j'ai pillé son domaine. Je ne suis pas envoyé par Hermann. Merde, c'est sérieux alors? T'es envoyé par le seigneur Sokol que j'ai laissé tomber avant de filer avec sa bande lorsque l'évêque d'Olomouc le pourchassait, c'est ça? Je ne connais pas de seigneur Sokol. Alors, qui t'envoie? Crache le morceau avant que je te coupe en deux. C'est Jeanne qui m'envoie. C'est qui celle-là? Jeanne, de la Sasso. Elle a eu une vision, dans un rêve. Hein? Ça fait un mois que je me cache pour échapper à des coupes jarrées sans merci, et toi, tu me trouves à cause du rêve d'une bonne femme? Oui, c'est à peu près ça. Bon sang, tu dois être maudit! Minute, les cadavres dans la mine, c'est ton œuvre? Oui, ils m'ont surpris ici. Alors je me suis dit que je ferais mieux de les faire taire. Et ça m'a permis de récupérer un sacré butin. Tu les rejoindras bientôt, t'inquiète pas. Et peut-être que je devrais aussi aller trouver cette fameuse Jeanne. Prépare-toi à être étripé! Je vais te massacrer. Quand j'en aurai fini, je te jetterai dans... les autres. Ugh.
Viens me chercher. Viens par ici, salope. Bon Dieu, c'est une petite fortune. De beaux habits, des armures, des armes. Sacré butin. Et un casque à visière de couman. Intéressant. Ça devait appartenir à ces malheureux en bas. Thank you.